Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo extrêmement spéciale. Bon, c'est vrai que j'ai l'impression de dire que toutes mes vidéos sont spéciales, mais aujourd'hui ça l'est vraiment. Pourquoi? Tout simplement, en fait, on a 4 membres de la famille qui sont là aujourd'hui et ça fait extrêmement longtemps qu'on ne les a pas vus. Ces 4 personnes sont 708 William, Draco ainsi que Shulk. Et c'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'on les a pas vus, mis à part Shulk, on le voit quand même pas mal de temps sur la chaîne. Donc en premier temps, je vais aller les chercher chacun de leurs chambres respectives. Et en deuxième temps, on va tous aller en ville pour essayer de faire des aventures un petit peu ensemble. Bien évidemment, comme ça, c'est pas très vendeur comme vidéo. Mais restez bien jusqu'au bout parce que vous savez que dans chaque vidéo, il se passe des trucs assez vénères quand même. Et je pense que cette vidéo sera assez importante. Je sais pas, j'ai un pressentiment. Ok, bon, il y a quelqu'un dans sa chambre qui est en train de tirer, je viens de l'entendre. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller chercher, on va commencer par 708CN. 708CN qui n'a pas sa propre chambre, lui, il a carrément sa propre maison, c'est notre voisin, en fait, voilà. Regardez, sa maison est juste là, bon, j'ai... Ok, j'ai l'impression de l'avoir vu. 708, salut DK, ça va? Ben, ça va super, et toi? Alors, programme aujourd'hui, 708, c'est qu'on va aller chercher d'abord tous les membres de la famille, et après, on va tous aller en ville pour des aventures exceptionnelles. J'espère que tu es prêt. Ouais, je suis toujours prêt. Ok, vas-y, 708, tu peux me suivre. Du coup, on va d'abord aller chercher William. D'ailleurs, les amis, regardez juste là-bas. C'est l'explosion que Razan a fait l'autre jour. D'ailleurs, je peux vous montrer très clairement. Hein, vu que la route a été littéralement barrée. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ça, c'est les petites erreurs de Razan, tu vois. Du coup, j'ai mis un petit pont histoire de passer, de pas tout reconstruire. Parce que moi, comme Diabo, je ne sais pas reconstruire les choses, malheureusement. Bon, bref, allez, on va du coup chercher William, Shulk ainsi que Draco qui doit être dans la chambre des étoiles. Qui, je vous le rappelle, et je vous le dis pour les nouveaux abonnés de la chaîne YouTube, la chambre des étoiles est carrément sous l'eau. Alors William qui n'a pas encore de chambre, il devrait être quelque part dans la maison, peut-être par ici, je ne sais pas. Oui, bonjour madame. C'est pour une séance à 17h30, c'est ça? Séance à 17h30. William, excuse-moi de t'interrompre dans tes petites affaires, mais il fait nuit. Pourquoi t'appelles les clients la nuit? C'est un truc qu'il faut pas faire, ça. Comment dire? Bon, bref, je ne dirai rien, William, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur la chaîne, comment vas-tu? Ça va, et toi, mon DK? Eh ben, ça va super bien, je pète le feu, on va d'abord aller chercher, du coup, les deux enfants. Donc, Shulk, qui doit être dans sa chambre, c'est là où je l'avais mis tout à l'heure. Shulk, qui a d'ailleurs que 4 ans, alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour lui de bouger tout seul quand je suis pas là. Ok, du coup, est-ce qu'il est là? Oui, il est là! Shulk, qu'est-ce que tu fais avec ça? Shulk, descends de là! Hop, on interdit... On interdit les jouets volants. Bon, Shulk a... Pardon. Shulk a bien 4 ans du coup les amis, mais vous voyez, il commence à parler, c'est vraiment sympa. Du coup Shulk, comment tu vas? Ouais, ben je vais bien, là je suis en train de jouer au PC, tu vois. Bon là il est éteint, mais je suis AFK. Ok, ok, ben Shulk, suis-moi, on a plein de trucs à faire aujourd'hui. Allez, tu peux me suivre, on va aller dans la chambre de Draco, l'étoile, la seule étoile qu'il y a aujourd'hui. D'ailleurs les amis, ça serait vraiment cool de revoir Polaris, parce que Polaris, ça fait extrêmement longtemps aussi qu'on ne l'a pas vu. Et ça serait vraiment sympa de revoir les 3 étoiles en même temps. D'ailleurs les amis, vous avez pu constater qu'il y a des petits changements dans la maison. Ces changements sont dus parce qu'en fait, il y a des petits bugs dans cette maison, on va dire. Bien évidemment, tout ça, c'est hors roleplay. Mais ces changements sont vraiment très légers. D'ailleurs, il n'y a plus les décos de Noël ni la neige. C'est vraiment redevenu comme avant. Bref, d'ailleurs, en parlant de bugs un petit peu, aujourd'hui, j'ai des petits problèmes avec OBS. Laisse-moi passer, Shulk, s'il te plaît. Hop, j'arrive pas. Voilà. J'ai des petits problèmes avec OBS. Du coup, pour ceux qui ne savent pas OBS, qu'est-ce que c'est? C'est le logiciel pour stream. Du coup, c'est avec quoi je suis en train d'enregistrer actuellement. C'est ma caméra, on va dire. Et il se peut que j'ai des petits frises, tout ça. Et je m'en excuse lors de cette vidéo. Je vous promets de régler ça très très vite. Allez, hop, Draco, on se réveille. Go, go, go. Draco, allez. Ah, coucou Draco. Qu'est-ce que... C'est Slima, réveille-toi. On t'entend pas, Draco, qu'est-ce que tu dis? Depuis quand tu parles en plus? Draco, ça fait très très longtemps. Toi, c'est la personne qu'on a vue il y a très très longtemps par rapport aux autres. Je dors tout le temps. Comment tu vas? J'étais en train de dormir et... Ok, passionnant, bah vas-y, réveille-toi. T'avais même pas du feu, il y a du feu, mais t'es sous l'eau, hein, fais gaffe, c'est dangereux. Allez, on va tous dans le salon, on va sortir ce soir. Du coup, on va aller en parler à William de cette petite sortie, parce que lui, il me semble qu'il y avait des trucs à faire ce soir et tout. Mais bon, on va quand même lui demander s'il veut venir, ça serait vraiment sympa. Ok, 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 William, salut William pour la deuxième fois de la soirée. DK, j'ai entendu dire que, effectivement, vous voulez aller dehors pour des affaires. Pas forcément des affaires, pour juste une aventure, mais ouais. Parce que j'ai, comment dire, j'ai un très mauvais pressentiment. Un mauvais pressentiment? Sur que je sens en fait une énergie négative venir vers la maison. Une énergie négative, mais non. Tu dois sûrement être fatigué, ne t'inquiète pas, il va rien se passer de mal.
Qu'est-ce qu'il fait lui? Mais c'est lui. C'est... Prends une mini-train. Mais okay, t'as bon. Un problème. Ok, bon, c'est la guerre entre 708 et Shulk. Mais si William, t'as pas envie de venir avec nous, t'inquiète pas, tu peux aller dans ton bureau, faire tes affaires, tout ça, on te rejoindra. Je vais, ouais, je pense. Bon, s'il y a des mauvais pressentiments, j'aimerais que tu ailles pas seul. Draco, tu peux l'accompagner, s'il te plaît? Je veux l'accompagner, ouais. Aussi. J'ai pas trop envie, en fait, mais bon, tranquille. C'est pas grave, tu vas avec lui, tu vas voir, il est sympa. Faut que j'aille récupérer quelque chose, mais... Bon, ok, bon, du coup, je t'accompagne jusqu'à l'entrée. Nous, on va aller faire notre petite sortie tranquillou-bidou. Et, oula, j'ai jamais sorti cette expression, je ne vois pas pourquoi je la sors aujourd'hui. Très et bizarre. On te rejoindra juste après. Pas prudent, Draco. Des cas. Ouais, t'inquiète, je suis prudent, il va rien se passer, sois tranquille. Allez, bon, bref, Draco, va avec lui et. Oula. Oula. Draco, t'es un peu enrhumé, dis-moi, j'ai vu des étincelles là. Fais gaffe, hein. Parce que oui, les amis, Draco a le pouvoir du feu, tout comme moi. Moi, j'ai le pouvoir de la foudre et du feu. Et lui, il a le feu. Bon, bref, du coup, Shulk ainsi que 708, vous voulez aller oui. Au centre-ville? Ouais, vas-y, bah, Vas-y, vas-y, on va aller au centre-ville. Au magasin, c'est un peu fermé cette nuit. Bon, non, on fait un 2-3 soleil. Un 2-3 soleil, ok, bah on va aller un peu plus loin. Bon, j'ai pas de voiture malheureusement ce soir, c'est pas très grave. On va y aller à pied, de toute façon c'est pas trop loin. Je vous laisse me suivre. Ouais, on va... Eh, on va inaugurer la passerelle que j'ai fait pour décorer tout détruit là. Ok, let's go. Les amis, du coup, on va passer sur cette passerelle, attention. Et ça n'a absolument rien changé, ok, c'est parfait. Bon, regardez, ça a quand même bien détruit hein, ce qu'il a fait. C'était un épisode où on avait nos clones. Bon, bref, ok. Bon, du coup, les amis, on fait une petite ellipse dès qu'on se rapproche de la ville et on revient tout de suite. Et re les potes, du coup, c'est bon, on s'approche doucement de la ville. Bon, c'est pas très loin, là, on est juste à côté de la maison de William. Ben, la maison, ah ouais. Le bureau de William, est-ce qu'on le voit à la fenêtre? Pas du tout. Bon, vous voyez, c'est très stylé, hein. C'est le médium, du coup, celui qui voit l'avenir. Et regardez ici, il y a encore des explosions de nos clones de la dernière vidéo avec Krasen. Oui, il y a plein de trous par contre. Ouais, ça fait un petit peu peur. Faites attention à ne pas tomber parce que, vrai, en plus, il y a du feu et tout. C'est quand même assez grave. Faites bien gaffe. Qu'est-ce que. What? Qu'est-ce que. Mais c'est qui eux? Le dieu. Oula. Non, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Quoi, c'est qui eux? Non. What? Qu'est-ce que. C'est pas possible. C'est qui eux, DK? C'est qui? Ok, ok, vite, vite, on rentre à la maison, go, go, pas le temps de vous expliquer. Ok, ok, pourquoi? On rentre, vite, vite, vite. 708, je t'explique tout après, go, 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 go. D'accord. Il n'y a pas le temps, là, il n'y a pas le temps. Oh, William avait raison, mauvais pressentiment. Aïe, 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 en plus, j'ai même pas mes pouvoirs. Mais tu les reconnais pas? Mais t'es bête ou quoi? Mais il a dû pas voir, c'est ton grand-père, Herobrine. Il y a aussi NTT303 et le dieu de l'univers. Vite, vite, faut rentrer. On n'a pas le temps là pour bavarder, go, go. Faut aller se réfugier à la maison, on se réfugie. Et ce qu'on va faire. Ils étaient trois, je les ai jamais vus tous les trois et je pense que c'est trop dangereux, on barricade tout. On prend des barricades, on barricade à fond la maison. Là, okay, on n'attend pas. On bloque tout. Ils doivent passer nulle part. D'accord. Nulle part, vraiment. Vous prenez de la bédrogue, vous prenez n'importe quoi, vous prenez tous les blocs que vous avez, ben parfait, t'as de la bédrogue, okay. Okay. Et vous barricadez tout, je veux que la maison soit barricadée complètement. De l'obsidienne, de la bédrogue, je veux que vous barricadez tout là, même des planches de bois, vous prenez tout ce que vous avez. Ok, okay. Je m'en fous, il doit rien rester. Alors, c'est parti. Ok, ok, les amis, déjà, moi je vais aller m'équiper de tous mes pouvoirs qui sont dans ma chambre, histoire de défendre la maison au cas où, parce que les trois là, c'est vraiment une très très mauvaise idée de les voir ensemble. Enfin, c'est pas une idée. Je vais mettre le portail en bedrock. Le portail en bedrock, vas-y, fais-toi plaisir, vraiment. Ok, c'est bon, j'ai tout, plus des barricades, les amis. Merci. J'en ai pris plein. Ok, c'est bon, t'as des barricades? Ok, tu barricades tout. Est-ce que t'as de la bedrock par hasard? Ouais. Ouais, j'ai la bedrock, moi. T'as de la bedrock? Ok, bah tu condamnes toutes les entrées, sauf l'entrée principale pour l'instant, histoire que je puisse encore passer, mais le reste, tu peux tout barricader. Après, on va mettre des trucs un petit peu sur le toit, tout ça, vraiment. On met des trucs de partout, je veux pas qu'ils entrent, c'est... Non, non, là, ils touchent même pas la maison, il y a pas intérêt qu'ils touchent. À un cheveu de la maison, je m'en fous. Ok, est-ce que cette semaine, tu peux venir dans ma chambre, s'il te plaît? Bien sûr. Vas-y, viens. Hop, faudrait que tu mettes de la bedrock juste là. Ça serait vraiment sympa. Où? Là, regarde la bedrock ici. D'accord, aucun problème. Vas-y, mets la bedrock. Ok, ouais. Ici, on barricade de l'intérieur. Moi, je barricade toujours de l'intérieur, j'arrive pas. Ok, les fenêtres où j'arrive rien à mettre, tu mets de la bedrock, tu mets plein de trucs devant. Genre vraiment, faut pas qu'ils puissent y accéder. Pourquoi j'arrive pas à... Mais oh, les amis, je peux pas mettre... Ok, ici, normalement, je devrais pouvoir... Voilà, ok, ici, c'est bon. Ici, je peux en mettre un. Ok, en fait, les trucs dans les angles, je ne peux pas.
Ok, comment je vais faire ici? On va mettre... Ok, ok. On va en mettre un petit peu ici. Hop. Ça va. On va en mettre à l'entrée un max. Comment... Qu'est-ce qu'il a fait, Shulk? Ok, on va faire ça. C'est où qu'il y a des entrées? Là, dans le garage, il y a des entrées. Voilà, parfait. Juste ici. Hop, on ferme. On bloque. Ok. Voilà. C'est bon. C'est bon, t'as barricadé un max? Ouais. Ok, parfait. Hop. Mince. Ah, je fais quoi? J'arrive pas à mettre les barricades. Où, je suis tellement stressé. Je suis en bas là. Je suis en train de tout barricader. Okay. Les fenêtres une par une. Vraiment, on fait tout ce qu'on peut là. Ok, ici. Ici, je ne peux pas visiblement. Ah, c'est trop compliqué ça. Ok, ok, ok. Bon, les amis, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de barricader un maximum et on revient dès que toute la maison est barricadée. C'est parti. Ok, re les amis, ça y est, on a tout barricadé. Bon, du coup, je vais vous montrer un petit peu ça. Le temps que, du coup, ils ont toujours pas attaqué la maison. D'ailleurs, on sait même pas si ils vont vraiment l'attaquer. Mais on n'est jamais sûr. Hein. Mieux vaut prévoir. On ne sait jamais. Du coup, voilà, regardez, on a fait vraiment rapide une petite muraille juste ici. Histoire de bloquer l'entrée, on a mis quelques petits pics devant. On a mis du coup de la bedrock à la place des fenêtres. On a mis des barricades niveau du coup des vitres un petit peu. Est-ce que quelqu'un a pensé à faire la chambre des étoiles? Non. Bah vas-y 708, mets de la bedrock vite fait devant la chambre des étoiles et ici. C'est où déjà la mise d'étoiles? Bah attends, je viens de chercher du coup. Ok. C'est à l'entrée. Ouais, je suis à la retrait. Vas-y, suis-moi derrière toi. Là, ici, here. Ouais. Ok, vas-y, suis-moi. Du coup, premièrement, tu vas mettre de la bedrock juste là, à la place des échelles que je vais te casser. Voilà, tu mets juste un bloc. Ok. Histoire de bloquer, bon, ça va vraiment rien sauver du tout. Mais bon, on sait jamais. Qu'est-ce qu'il fait, Shulk? Ok. Et tu me mettras de la bedrock juste derrière toi, au niveau du quartz. Regarde, ici, et après tu rentres. Ok, du coup, je vais essayer d'aller sur la muraille en haut pour vérifier s'il ne se passe rien. J'ai fait un système pour monter un petit peu galère. J'aurais pu mettre des échelles, mais j'ai mis ça. Du coup, il faut que je saute juste là. Ok, c'est un petit peu dur. Ok, attendez. Hop. Ok, c'est bon, c'est parfait. Alors, pour l'instant... Pourquoi il y a de la lave? Oh. C'est pas normal qu'il y ait de la lave, surtout qu'elle se dirige vers la maison. C'est... Oula. Je trouve pas ça normal. Mais oui, Shulk, je suis pas vraiment d'accord que t'aies des armes, hein. On finit ce combat. Mais je suis mature, je suis grand. Mais il y a beau être mature, tu n'as pas à avoir des armes à 4 ans, c'est pas non. Qu'est-ce que... Oui, qu'est-ce que... C'est pas ça. Lave, elle a augmenté. Ah. Pourquoi elle a augmenté? Quoi, il y a Herobrine et NTT? Ok, ok, vite, vite, prenez toutes vos armes, on y va, oui. on bombarde. Ok, go. Ok. Go. Let's go, cachez-vous bien. Waouh, les amis, ça tire de partout. Waouh. Ok, il commence à bombarder la muraille. Ah. Faites gaffe. Visez. Ah, ok. Waouh. Il commence à détruire Vénère. Ouais, ni piston. C'est vrai que c'est de la bedrock. Ok. Ah. Ok. Ah ouais, ça commence à être détruit. Ils vont accéder. Qu'est-ce que... Vite. Courez. À l'intérieur. Go. Il se téléporte. Vite. Prendre la bedrock. Cette minute, mets-la devant la porte. Ok. Vite. Go. Go, mince. Vite, tac. Vas-y, vite. Ok, c'est bon. On se réfugie. Cachez-vous dans la maison. Allez, vous cachez. Ok, je vais en bas. Vas-y, cache-toi au sous-sol. Go. Ok, faut pas qu'il rentre, les amis. On va verrier sur la porte. Il est là, je l'ai vu. Shulk, éloigne-toi. Si ça saute, on est mal. Ok. On est très mal. Ok, je monte à l'étage. Non, il est rentré. Ok, je crois il m'a pas vu. Vous êtes où? Chou, qu'est-ce que tu fais? Il m'a pas vu. Ok, monte. Oh, il y a une titi. Ok, vite. On court. Ok, go. Qu'est-ce que... Il est où? Mais, les amis, Herobrine, il a toujours pas parlé. Ok, pourquoi il parle pas? Je vais essayer d'avoir une discussion avec lui. Faut que j'essaye. Mais il est passé où, le dieu? Je le vois même plus. C'est pas normal, ça. Okay, il est juste là. Ok, go. Ok, faut que j'essaye Deka, de... Okay, décider que t'as pensé aujourd'hui. Quoi? Mais non, mais pourquoi? Ouais. Faut qu'il essaye de retrouver la mémoire. 708, vite. Quoi? Cache-toi, c'est trop dangereux. Qu'est-ce que c'est que ça? La chambre de petit caribou. Oula. Les amis, la maison, elle commence à être complètement détruite, là. Oula, Non, c'est pas possible. Oula. Il est là, vite. Aïe. Ah. Vite. Go. Dans la chambre des scientifiques. Ok. Faut que j'essaye de prendre un maximum de force avant qu'il m'attaque.
Ok, ok. Ça va, il m'a pas suivi. Ok. Y a personne là, rien n'a été détruit. Ok. Ok. J'ai vu de la glace. On va monter, je vais pas les laisser se battre tout seul. On va essayer de remonter. Go, 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 go. Oh, il est là, il est là. Oh, quoi? Non, 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 non. C'est pas possible. Qu'est-ce que... Ah. Y'a quoi? Ok. Ah, ok. Ça se fait, t'es où? Je sais, au trait, devant la porte d'entrée. Devant la porte d'entrée, ok. Est-ce que tu as eu NTT 303? Non, j'ai pas vu encore. Ok. Faites bien attention à vous. Essayez de vous cacher un maximum parce qu'ils sont très dangereux là. D'accord. Et heureusement, il n'y a pas le dieu, je sais pas où il est. C'est okay. Bizarre. Ouais, c'est pas normal ça. Ok, il y a de la neige. Ça, c'est NTT 303, je vous rappelle son pouvoir. Son pouvoir, les amis, c'est la neige. Y a ton père! Ouais, y'a Erobrine, Je sais glacer là! Je sais glacer! Ok, fais gaffe, il me cherche. Comment j'ai pu sortir? On n'a pas barricadé là? Je sais glacer, j'ai pu poser. J'arrive, 708. Ok, ça tire de partout, les amis. Ok. J'aimerais retrouver aussi NTT 303. Toi, même pas, tu touches à mon fils, même pas en rêve. Tu touches même pas. Vas-y, en arrière! Tirez-le dessus! Ouais, ok. Ok, c'est bon. Y a le. Non! Qu'est-ce qu'il fait? Lâche-moi. Ok, c'est bon, il m'a haché. Vite, il peut me bloquer. Go, faut que je fuis. On va monter en haut, on va monter dans la chambre. Ok, est-ce qu'il y a des choses qui ont été détruites? Non, pas encore. Ok, les amis. Ouah, gros combat là. Est-ce que ça serait le dernier épisode de la saison 2? Non, je pense pas et j'espère pas. Ok. Vas-y, vite, mets-toi dans ma chambre, 708. Ok, d'accord. Il est là. Vite, cache-toi. Ok. Ah, c'est bon, j'ai cassé. Attends, je vais essayer de l'avoir. Ok, aïe. Vite, non. Ok. Vite. T'arrives, Zika? Non, j'ai du mal. Mets-toi à l'abri. Mets-toi à couvert, Shulk. Ok, go. Courir. C'est le seul but là. Ok. Je suis trop faible pour l'instant. Oh, William avait raison, il y a vraiment un mauvais pressentiment sur le coup. Ok, il y a tout qui est en train d'exploser, les amis. C'est chaud. Ok, je vais essayer d'aller à l'étage. Ok, il est là. Ok, NTT est là. Ok, go. On va essayer de l'avoir, mais... Non, c'est Shulk. Je t'ai confondu, mince. Ok, let's go. Oh, la maison commence à être vraiment en ruine, là, sur le coup. 708. Vite. Ok. Ça a marché, 19h. Pourquoi je regarde l'heure? Je m'en fous, moi, de l'heure. Shulk, t'es où, Shulk? Shulk, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il reste tout seul? Qu'est-ce qu'il Shulk. Se passe? Ok, Shulk, vite, viens. Non, ils m'ont capturé. Viens. Ok, go. Shulk, vite. Il commence à tout détruire, la maison. Non. Ok, go. Je vais dans le jardin. Non, je vais pas dans le jardin. Moi aussi. Non. Ok, go, suis-moi, Shulk. Go, ok. Bah, j'avais parlé à Shulk, pas à toi, 708, mais c'est pas grave. Attendez, les amis. C'est des bruits d'explosion, ça, que j'entends. Il a disparu. C'est pas normal. Ok. Oh, les amis, la maison est totalement détruite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, go. Faut que j'essaye de... Il est là. Ok. Il m'a vu. Ok, go. Courir. Il y a plus rien de la maison, les amis. Oh, mon Dieu. Non, pourquoi? Ça servait à rien de barricader. En plus, je peux même pas la reconstruire, quoi. Hop. C'est où que je pourrais me cacher? Où c'est qu'on peut se cacher? Ok, ça, la maison de 708 a pas encore été touchée. J'espère qu'elle ne sera vite, pas. Vite, protégez-nous de ma maison. Non, faut... Bah, vas-y avec Shulk. Moi, j'essaye de défendre Shulk, le... Shulk, viens. Il est là. Ok. Aïe. Ok. On va essayer de le battre avec des éclairs. C'est le mieux à faire. Ok. Go. Et là, Shulk. Prends ça. C'était pas des éclairs ce que j'ai utilisé. Go. Il faut que je cours. Ok. Aïe. Okay, ah, il fait mal. Il est là. Tiens. Il me tient. Je peux plus bouger. Ok, c'est bon. Vite. Il arrive toujours pas à me tuer. Ok. Les amis, je vais devoir me réfugier. Faut que je trouve une idée. Je sais. Ok. C'est bon, les amis. Je sais. J'ai mon idée. Ok. Normalement, il devrait pas me voir. Ok. Je vais aller chercher du coup 708 Sen ainsi que mon fils Shulk. Les amis. Nous l'avons perdu. Corps. On va aller prendre du coup des bateaux et on va se retrouver sur l'île au défi. Comme ça, on va essayer d'y aller en 1200 qui nous voit. Du coup, on va essayer d'aller sur l'île au défi avec les bateaux. Il me semble qu'il y en a.
Ok, faut pas qu'il me voit, faut pas qu'il me voit. Ok, il est là, il est là. Ok. Je les ai vus. Ok, bon, là, je suis mort. Ok. Vite. Ok, je cours. Il faut que je trouve un moyen aussi. Ok, repérage, comment descendre. Ok, juste, ah, parfait, il y a un trou. Ok, c'est bon. On va pouvoir y aller. Ok, go. Aïe, ah. Chou, ok. Oh, non, mais je suis carrément à l'étage d'en dessous, là. Ouais, les amis, je me repère vraiment plus du tout quand il n'y a plus, bah, la maison au complet. Je bug totalement, là, je suis en stress. Ok, vite, go. À ce moment, ils vont pas détruire la maison de 708. Ok, 708, Shulk. Ok, on va essayer d'aller prendre des bateaux doucement en passant par la chambre. Bonne idée. Ok, suivez-moi, on va prendre les bateaux, on va fuir. Là, vas-y, on va faire go. Ok, suivez, go. Et restez bien silencieux. Hein. Ok, passez dans le jardin, est-ce qu'ils me suivent? Non, ils me suivent pas, bien évidemment, sinon ça aurait été trop simple. Là, ok, vas-y, Shulk, suis-moi. Dans la maison, ici, il doit être quelque part par là. Non. Ok, ils vont détruire la maison de cette fille. Non. Ok, go. On en profite. Ok, go, suivez-moi. Non, ma maison! 708, go. Je t'aiderai à la réparer, même si je n'ai pas les moyens. Ok, mais, je vais ouvrir la porte. Comment? Je peux pas ouvrir la porte. Ok, bon, tant pis. Passez en bas, ok. Ok. Par ici. Suivez-moi. Ok, le sous-sol. On va prendre des bateaux lourds. Ça va. Le sous-sol n'a pas été touché. Ok. Regardez ici, il y a un passage secret. Go. J'arrive pas à passer. Ok, ça va. Let's go. Les bateaux sont là. Prenez-en un chacun. Ok, vite, direction l'île des filles. Non, ils sont en train de nous voir. Allez, ça. Ok, ils nous ont vu. Vite. On y va. Normalement, ils peuvent pas voler. J'espère. J'ai jamais vu. Si, je les ai déjà vu voler. Bon, on s'en fout. On fuit. Ok. Elle est là. Ok, ça reste c'est bon. Pas loin. Ok, go. C'est pas loin en fait. Non, c'est pas loin. Ah. Vite, on remonte. Ah, j'arrive pas à monter. Ok, ça y est, c'est bon. Ok. Ils nous ont pas suivi. Non, ça va. J'ai l'impression qu'il y a personne. Ok. Et toi, mieux, écoute. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça a explosé ici? C'est pas normal. Elle a quoi, l'île? Je sais pas. C'est pas normal parce que normalement, il y a que nous qui avons accès. Il y a un truc qui est louche ici. Il y a un truc qui est vraiment louche. Ok, restez bien sur vos gardes. Ok. Attention. Oh là, j'ai eu peur d'un bonhomme de neige, ok. Ok, pour l'instant, il n'y a personne. Sur le haut de la montagne, je vois rien. Sur moi, il y a un chemin. Il y a un chemin? Où ça? Viens sur moi. Non, mais ça c'est le jump. Non, va pas dedans. C'est le jump du poison. Vraiment, on n'y va pas. C'est une vidéo qu'on avait faite avec 708 CN, justement. On n'y va vraiment pas. C'est très dangereux. Ok. Ouais. Shulk, t'as rien vu toi par hasard? Non, j'ai rien vu. Vas-y, je vais juste aller checker vite fait dans la grotte. Non, y a rien. Ok, c'est bizarre. D'accord. C'est quoi cette voix? Qu'est-ce que? J'ai entendu un truc. Attends, je vais essayer de monter. Hop. Ok. Vite. J'essaie de monter un maximum. Ok, c'est bon, les amis, il est là. Ok, il est là. Le dieu, amis, préparez-vous. Ok, là, je vais laisser aucune chance, là. Il est bizarre, on est d'accord. Il est où? Deka. Ouais, il vient de battre. Tu veux savoir pourquoi j'étais trahi? Ouais, je veux savoir, ouais. T'es où? Tout simplement, car je n'ai jamais voulu créer des dieux dans ce monde. T'as jamais voulu créer de dieux? Et donc, par défaut, tu es une anomalie. Une anomalie? Vas-y, exprime-toi, viens te battre. Comme un homme, viens face à moi, là. Si tu veux te battre... Il est où? Alors... Rejoins-moi dans l'espace. Dans la station où on était. Qu'est-ce que... Il est là. Ok, allez, viens là. Je t'attends. T'es un lâche. Non. Qu'est-ce que... Il est lâche. T'es où? Nul. Reviens. Il est où? Il est bizarre. Attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? Dans l'espace. Dans l'espace? Qu'est-ce que... Non mais je... Quoi? Je sais! Le contrôleur! Si, Shulk, bah t'étais pas là, mais le premier épisode de la saison 2 partie 1, genre j'étais arrivé dans l'espace, la première rencontre avec le dieu, c'est bon, je sais! Ok, faut que je le rejoigne là-bas, mais comment je vais faire? Je sais plus, je suis trop stressé. Mais attends, mais il a jamais voulu créer de dieu? Mais il est bête! Qu'est-ce qu'il a fait? Ok, bon, Shulk, prochaine étape, on le rejoint dans l'espace. Et là, on va en finir vraiment avec lui. Ok les amis, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Dans la prochaine vidéo, on va trouver un moyen de se rendre au contrôleur qui est dans l'espace.
Et pour un bon coup, on va régler son compte à ce dieu qui a pris mon apparence. Si vous avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la revoir. Aussi, on va essayer de régler le compte d'Entity 303 et de Patrick, son bras droit, et essayer de re-rendre gentil Herobrine parce que je veux pas le tuer, bien évidemment, c'est mon père. Ouais, bah oui, logique. Les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour qu'on se rende dans l'espace. On se met un objectif de 25 likes, je sais que vous en êtes capable. Vous en êtes capable parce que maintenant on est les 1000 abonnés, et je crois d'ailleurs que c'est l'une des premières vidéos roleplay avec les 1000 abonnés, une vraie vidéo roleplay. Donc les amis, je compte sur vous, commentez, partagez un maximum la vidéo, abonnez-vous et surtout rejoignez les réseaux sociaux Instagram, Discord et TikTok. TikTok, un nouveau compte de PixArt a été repris parce que j'avais un buzz avant. Et bien évidemment, rejoignez le Discord si vous voulez donner vos hypothèses par rapport à l'histoire de la saison 3 ou bien évidemment la fin de la saison 2 parce que là encore 2 épisodes voire 1 et c'est terminé. Les amis, on va avoir besoin de force, alors faisons ça tous ensemble. Sur ce moment, je remercie toutes les personnes qui étaient là dans la vidéo. Il y avait Nekiyama, il y avait Natsuko, il y avait Joker, il y avait Honor et 708 Sen. Toutes leurs chaînes sont bien évidemment en description. N'hésitez pas à les checker, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est vraiment cool de voir ce qu'ils font eux aussi. Et bien évidemment, on se retrouve très très bientôt pour les prochaines aventures, la fin de la saison 2. Sur ce, moi je vous dis ciao à tous, portez-vous bien, à la prochaine.